Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir, me suis essoufflée. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation. Et donnais mon avis, que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec des envolutures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu le temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent Bonsoir à tous, bonsoir Charles. Bien. Je suis ravie de vous retrouver. Une nouvelle fois, nous allons rendre hommage à la richesse du patrimoine musical français, à ses textes, à ses mélodies, à ses auteurs et à ses interprètes de génie qui sont avec nous ce soir. Merci d'être là. Vous avez vraiment invité tous vos amis ce soir, Charles. Ils sont venus, ils sont tous là. Et puis bonne nouvelle, nous allons enfin reprendre vos chansons ce soir. Oui, parce que je crois que j'ai atteint l'âge limite. Non, parce que nous sommes ravis de les entendre, et notamment repris par les invités qui sont avec nous sur la scène de l'Olympia. Alors, première chanson de la soirée, je dirais que s'il devait n'en rester qu'une, ce serait celle-ci, cette Java, la Java bleue. Et c'est vous qui démarrez, Charles, en duo avec Zaz. Nous vous laissons la scène. Zaz et Charles Aznavour avec la Java bleue. Bon, vous pouvez dire Zaz Navour. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sarcelle quand on la danse les yeux dans les yeux. Au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme est le monde, il y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bord d'une musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes et qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, c'est en celle qu'on aime dans ses bras. On lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. Et c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en s'insère quand on la danse les yeux dans les yeux. Au rythme joyeux, quand nos corps se confondent,
comme elle au monde, il y en a pas deux. C'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer si fort. Pourquoi ? Pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses et même que de serments on se fait dans la folie d'un moment. Car ce serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Se confondent comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue. Zaz et Charles Aznavour, la Java bleue, pour démarrer cette soirée. Bonsoir. Cette chanson, c'est Fréhel à l'origine hein, qui l'a interprétée. Fréhel, c'était une chanteuse réaliste, Charles ? Oui, c'était une des plus belles femmes de Paris. Le roi de Roumanie, je crois, était tombé amoureux d'elle. Et puis, elle a décliné vraiment très rapidement dans l'alcool. Et le matin, elle se promenait en peignoir, en pantoufles dans les rues. Et elle avait une chose... Oh, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même, oh, comme oui. D'habitude. Ah oui. Un jour, elle était en scène, elle avait un gros succès qui s'appelait « Le chat qui miaule ». Mon chat qui miaule, vous connaissez ça, oui. Et le public lui demande « Le chat qui miaule, le chat qui miaule ». Elle n'avait pas envie de le chanter. « Le chat qui miaule », elle fait « Moi, le mien, il y a longtemps qu'il ne chante plus ». Alors justement, on parlait de Fréhel en peignoir. Vous avez une anecdote assez drôle sur Fréhel. Moi, j'avais une anecdote racontée par Jane Birkin qui avait raconté que Fréhel marchait dans la rue avec ses Pékinois un sous chaque bras et qu'elle croise le chemin d'un petit garçon qui sortait de l'école communale. Elle voit qu'il avait la croix d'honneur, il était au tableau d'honneur, il avait eu des bons résultats. Et puis là, elle lui dit, dis donc, t'es un bon petit gars, elle lui passe la main dans les cheveux, elle lui dit, t'as eu des bons résultats, allez viens, je te paye un diabolo. Et ce petit garçon, c'était Gainsbourg. Oh, mais ça tombe extrêmement bien, parce qu'on va parler des plus grands artistes français ce soir. Vous savez, on rend hommage dans cette émission, Charles, dans Hier encore, aux plus grands artistes français, aux interprètes, bien sûr, ainsi qu'aux auteurs. Et il y en a un qu'on aime beaucoup, c'est Serge Gainsbourg, justement, dont vous venez de parler, Nolwenn. Gainsbourg, qui, en fait, au travers d'une de ses chansons les plus emblématiques, « Je suis venue te dire que je m'en vais ». Et c'est Catherine Ringer qui nous fait l'immense honneur de l'interpréter pour nous ce soir. Allez-y, allez vous mettre en place. Catherine Ringer est accompagnée d'Eduardo Makarov et de Christophe Müller, membre du groupe Gotham Project, et au piano de Gustavo Bettelmann. Je suis venue te dire que je m'en vais. Catherine Ringer. Sanglots longs qui pour
pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent que sonne l'heure des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Catherine Ringer, Eduardo Makarov et Christophe Muller, je suis venue te dire que je m'en vais. Venez me rejoindre tous les trois. Merci mille fois, Catherine Ringer et les membres du Gotham Project. Merveilleuse reprise. Catherine, le projet, vous tenez à cœur depuis très longtemps. Comment s'est passée cette rencontre donc, avec eux? En fait, ils m'ont demandé gentiment de, si je voulais bien chanter une chanson, puis deux, puis trois, puis quatre. Elles me plaisaient, ces chansons, elles étaient belles. Et donc, je me suis dit, voilà une belle aventure de faire ça. Très belle. Le projet Plaza Francia. Donc, qu'on peut retrouver, on va parler de Serge Gainsbourg. Et bien sûr, je me souviens de votre rencontre à tous les deux et qui a été assez houleuse. Quel souvenir gardez-vous de ce moment, Catherine? En fait, je garde le souvenir qu'il a pu me dire ce que ne pouvait pas me dire le présentateur, finalement. Vous êtes restée extrêmement digne, vous. Vous étiez parfaite. Merci. C'était un homme qui aimait bien provoquer les femmes. Donc, il aimait bien les mettre en colère, leur dire des trucs pour les agacer, les énerver. Donc, voilà, il l'a fait. Et puis, moi, ça m'était égal, en fait. Sur le moment, non, mais après, bon. Oui. Alors, je disais justement, juste avant que vous chantiez, que vous repreniez cette chanson, qu'elle a une histoire particulière à Lisée. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais ado, pour les premières ruptures adolescentes. Parce que je pensais que c'était Serge Gainsbourg qui quittait quelqu'un. Et en fait, il a fait un infarctus et il était sur son lit d'hôpital. Il pensait qu'il allait mourir, il a écrit cette chanson. Et donc tout le monde a cru que c'était une histoire de rupture d'amour. Et c'était en fait, sur la vie, la mort, le temps qui passe. Voilà. Alors on va changer de registre et nous allons évoquer une de vos chansons, Charles. Et il s'agit de sa jeunesse qu'un de vos amis ce soir, qui est avec nous, a eu envie d'interpréter, c'est Serge Lama. Mais vous m'avez dit juste avant l'émission, elle est très difficile à interpréter. Oui, les chansons sont difficiles à interpréter. Même moi, j'ai du mal.
Pourquoi vous l'avez choisi, Serge, cette chanson? Ben, je l'ai choisi parce que je suis fou. Parce qu'à la répétition, tout à l'heure, je me suis aperçu qu'elle avait une tessiture très large. Très. Et, alors, je suis un peu à la cave au début, vous m'en excuserez. Et puis après, je monte au grenier. Alors, je vais faire comme je peux. Allez rejoindre la scène, Serge Lama. Merci. Sa jeunesse, une chanson écrite et composée par Charles Aznavour. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains plein de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, riche de joie, brodée d'espoir et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés. Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que de sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir et nous quittons la vie, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, riche de joie brodée d'espoir et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés. Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Sa
jeunesse, Serge Lama, accompagné par David Berland et ses musiciens que nous remercions. Charles, vous avez l'air extrêmement ému d'entendre cette reprise de Serge. D'abord, je suis un grand fan de Serge, très important. Ensuite, à chaque fois qu'un interprète réinterprète la chanson, je n'aime pas entendre la chanson de la même manière. J'aime bien que chacun, celui qui chante mes chansons, s'approprie la chanson, qu'elle devienne la sienne et non plus la mienne définitivement. Ça m'émeut beaucoup. Vous l'avez écrite à 18 ans, cette chanson. Texte, oui. À 18 ans, mais comment on a la maturité d'écrire à 18 ans une telle chanson sur sa jeunesse ? Nous sommes un vieux peuple, les Arméniens. Alors Serge, cette interprétation magistrale de sa jeunesse, pourquoi cette chanson ? On ne peut pas faire mieux sur ce regret de ce temps précis. Et c'est le sujet principal de Charles. Toute sa carrière, il a ponctué comme ça son œuvre écrite de chansons sur le temps. Mais ce qui est très beau, c'est le petit quatrain qu'il y a au milieu, qui est un pont, en réalité, avant que de sourire et nous quittons l'enfance, avant que oui. De savoir... C'est magnifique et c'est digne d'un très, très grand auteur, ce qu'est Charles. Alors, on le sait, vous êtes très proches... tous les deux, vous êtes amis depuis longtemps, c'est l'amour des mots qui vous réunit. Serge, vous vous souvenez quand vous avez vu Charles pour la première fois sur scène ? Oui, c'était en 1960, c'était à l'Alhambra, et vers le mi-temps du tour de chant, il arrivait avec sa veste sur un bras, ses poignets de chemise détachés, la cravate ouverte, et il chantait, je me voyais déjà, en s'habillant sur scène, comme le gars qui est dans sa loge, qui se maquille, qui se prépare. Et puis tout à coup, il se retournait, le rideau de derrière s'ouvrait, et nous, les spectateurs, on prenait de face les projecteurs, c'était absolument un effet extra. Et il rentrait sur scène de dos. Tout d'un coup, ça a été l'explosion, et on peut dire que Charles est né ce jour-là. Ce jour-là, j'ai vu ça, j'ai vu ce moment merveilleux que j'ai gardé au fond de moi. Vous étiez là déjà. Et toujours, eh bien, dans les bacs, votre double album, La Ballade du Poète, accompagné d'un DVD qui célèbre vos 50 ans de carrière. Alors, pendant que Yves Duteil, Élodie Frégé et Alizé vont se mettre en place, je vais m'adresser à Chantal là-dessous, car Chantal, il n'y a pas un Charles Aznavour ce soir, mais deux. Pourquoi ? Parce que je sais. S'il vous plaît. Vous voulez que je vous raconte l'histoire ? Oui, et puis l'imitation. Je jouais à Bobino, cette ma salle mythique de Montparnasse. Bobino, tout le monde connaît cette belle salle. Brel, Brassens, Beco, là-dessous, Cherchez l'erreur. Et je jouais là, mais je ne vois pas le public, mais je sentais que Charles était dans la salle. Je le sentais. Et donc, je lui fais un hommage pendant tout le spectacle, pendant la bohème, les parois de ma vie sont lisses, je m'accroche et je lisse. Les gens se demandaient ce qui se passait, c'était pas lui, c'était une dame avec des cheveux gris. Allez, on va parler d'un autre artiste que nous aimons beaucoup, on le sait, on passe dans cette émission plusieurs époques, c'est transgénérationnel. On va parler d'Alain Souchon avec une chanson qu'on aime beaucoup, c'est Foule sentimentale. Yves Duteil accompagné d'Alizé et Élodie Frégé sur la scène de l'Olympia. Il se dégage.
Avec Bernard Lavilliers qui vient de nous rejoindre sur le plateau d'Hier Encore. Bonsoir. Alors, pourquoi cette chanson? Pourquoi ce titre, Foule Sentimentale? Moi, je suis un fan de Woolsey Souchon et de Souchon Woolsey. Il faut dire que je suis un peu jaloux même de ce tandem, parce que moi, je n'ai jamais eu ce tandem. J'ai toujours été un peu seul, donc j'ai lorgné un peu du côté de leur collaboration. Alors, Benabar, vous dites quelque chose de très joli au sujet d'Alain Souchon. Vous dites, on a toujours l'impression qu'on a volé quelque chose à Souchon. Oui, c'est vrai, quand on essaye d'écrire des textes et des musiques, parce qu'il compose aussi des mélodies, dont celle-là d'ailleurs, on a toujours l'impression de lui avoir piqué quelque chose quand on vient d'une ou deux générations après, ce qui est mon cas, mais ce qui est le cas évidemment pour Alain Souchon, mais pour la plupart de ceux qui sont là et qui sont nos aînés. Souvent, on finit une chanson, on s'aperçoit qu'elle a déjà été faite en beaucoup mieux la plupart du temps. Didier Barbolivien, vous dites que c'est un auteur majeur, Souchon. Pour moi, oui, parce que je pense que c'est un auteur qui a toujours dit qu'il faisait des textes comme certains pouvaient faire de la photographie. Et je pense que depuis une quarantaine d'années, on se souvient tous d'une chanson d'Alain dans des années précises, un peu comme des photos de Douaneau. Alors c'est un immense auteur justement dont on parle. On va parler d'un autre auteur avec Isabelle. Je me tourne vers vous, Isabelle Boulet, puisque vous avez sorti un disque d'hommage à Reggiani. Reggiani était un interprète comme moi. Donc reprendre l'œuvre d'un interprète, c'est encore plus délicat parce que c'est comme entrer quelque part en lien avec son monde à lui, avec ses chansons, avec son univers. Donc, mais c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup impressionnée et dont j'aimais énormément le répertoire. Eh bien justement, je vous propose de regagner la scène, Isabelle Boulet, pour reprendre « Ma liberté » de Serge Reggiani. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et
J'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu des amis pour gagner confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier les pieds poignés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Ma liberté, Isabelle Boulay, on vous retrouvera à Paris le 8 décembre au théâtre de la Porte Saint-Martin. Serge Reggiani, c'est grâce à lui que vous êtes passé en radio, non? C'est vrai? Ben, Reggiani, quand il est arrivé, on était, vous savez, c'était les yéyés qui continuent encore, c'était le rock'n'roll, c'était tout ça. C'était... Et tout d'un coup, il arrive un type qui chante des chansons pas commerciales, on va dire. Il vend 1 million d'albums, et à partir de là, les radios se sont dites, mais peut-être qu'un certain style de chanson, ça peut aussi marcher. Et c'est grâce, à mon avis, à Reggiani, que des gens comme moi ont pu traverser le miroir et imposer les chansons qui sont enfin passées à la radio. Voilà, on lui doit tout ça. Alors, Olympe, c'est Reggiani. En fait, vous écoutiez Reggiani grâce à votre grand-père. Oui, c'est lui qui vous l'a fait découvert. J'ai été élevé par mon grand-père pendant 14 ans. Et c'est vrai qu'à la maison, on écoutait beaucoup de chansons françaises. Et j'ai commencé à chanter avec des chansons françaises comme du Reggiani, du Charles Aznavour, Serge Lama aussi. Ma liberté, c'est une chanson extrêmement engagée. On a un artiste engagé qui est avec nous ce soir. Regardez pas à gauche à droite, c'est bien vous, Bernard Lavillier. Ravi de vous retrouver. Vous avez toujours chanté, effectivement, vous avez été au Parti communiste, on le sait, vous avez chanté aussi pour les ouvriers, une très belle chanson. Pour vous, ça vous parle forcément, Reggiani? J'ai beaucoup connu sa fille, qui jouait du piano avec moi. Et puis, Serge lui a rendu hommage. On lui a fait un hommage au Théâtre du Rond-Point. Il y avait Bruel, il y avait moi, il y avait plein de gens. Mais ce jour-là, je crois que c'est le dernier concert qu'il ait fait. Il était très malade, très très malade. Donc on n'a pas eu trop l'occasion de parler, franchement. Alors, on parlait de chanteurs engagés. Vous aussi, Salvatore Adamo, avec Inch'Allah, ça a été un moment très important. Vous êtes depuis toujours aussi dans l'engagement, dans vos chansons. C'est vrai qu'on me connaît surtout pour mes chansons plus légères. Mais même déjà avant Inch'Allah, j'avais écrit « On se bat toujours quelque part ». J'étais, tout en étant sur mon petit nuage, je savais très bien ce qui se passait sur Terre. Donc, de temps en temps, j'y faisais allusion quand même. Alors, nous allons maintenant parler, évoquer un artiste complet, un auteur, un compositeur, un interprète, un comédien aussi, et peintre, on ne le sait pas assez. C'est un artiste très engagé qui nous a quittés il y a tout juste 20 ans, c'est Mouloudji. Charles, vous teniez ce soir à reprendre une de ses chansons en duo avec Nolwenn Leroy. Je vous propose de rejoindre la scène tous les deux. Tout le monde se souvient du déserteur, mais Mouloudji n'était pas qu'un militant. Il était aussi un grand romantique. Pour preuve, cette chanson, Un jour, tu verras, Charles Aznavour, Nolwenn Leroy. Se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons
et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cette heure pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles, loin des champs de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux. Vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le bazar. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues. Nolwenn Leroy, Charles Aznavour, un jour tu verras. Charles, vous souhaitiez qu'on parle des auteurs, eh bien c'est Marcel Mouloudji et Georges Van Paris, les auteurs et compositeurs, Yvonne Thompson et Georges Van Paris. Alors Nolwenn, c'est vrai qu'on l'entend très peu en fait, Mouloudji, c'est dommage. C'est vrai que de tous les artistes de sa génération, on l'entend, il est rarement repris. Il me semble d'ailleurs qu'actuellement un album va sortir très prochainement avec des reprises notamment chantées par sa fille, il me semble. Oui, j'ai noté, c'est en souvenir des souvenirs. Mais il a écrit très peu de chansons, il a chanté surtout les chansons des autres, et c'est quelques chansons seulement. Nolwenn, vous êtes la marraine de la Fondation Abbé Pierre, et vous avez donc sorti avec plusieurs autres artistes un single, Le Chemin de Pierre. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé avant qu'il ne parte pour ses grandes vacances, et je lui avais fait la promesse de continuer ce combat avec tous les artistes, les parrains et marraines, les artistes qui sont associés aussi sur ce projet, Thomas Dutronc, Tété, plein de monde. On a parlé de Mouloudji, il y a eh bien, un auteur à qui il doit beaucoup, c'est Léo Ferré. En 71, il écrit en quelques minutes « Avec le temps », sans se douter que cette chanson deviendrait un très grand classique. Et ce soir, c'est Bernard Lavillier qui va la chanter pour nous. Léo Ferré, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Je sais que vous avez chanté Léo Ferré, c'était en 2006, c'est ça? Oui, c'est ça, 2005 peut-être, oui. Ouais. Je n'ai pas rendu hommage, hein, j'ai chanté les chansons qui me sont venues à l'esprit. Et puis voilà, ben, Léo, c'était mon ami. Et ce soir, vous décidez de reprendre « Avec le temps ». Oui. Une chanson très forte, hein, qui vraiment fait partie du patrimoine musical français, tout le monde la connaît. Ben, tout le monde a une histoire dans ces chansons-là. Et puis, pour les chanter dans 100 ans, il y a toujours des gens qui se séparent, qui sont douloureux, et qui effectivement, comme je dirais toujours, avec le temps, va tout s'en va, ou alors, tout s'arrange toujours, même mal. Bernard Lavillier, Avec le temps. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, on s'abat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, on cherchait sous la pluie.
l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les notes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va vers sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'atteignent de ces gars dans la gagerie farfouille, dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on le croyait, pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, bah, tout va bien. Avec le temps, avec le temps, bah, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent flou par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, Bernard, votre dernier album Baron Salvier est toujours dans les bacs et vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. On vous retrouve tout à l'heure pour un duo inédit avec Julien Doré. Que d'émotions sur ce plateau, Catherine. C'est vrai, c'est une chanson qui est de toute manière qui est émouvante à la base et qui fait pleurer, c'est sûr. Et reprise par Bernard, chantée magistralement. Il l'a très bien chantée. Je vais juste dire au revoir, comme je m'en vais. Bien sûr. Je voulais dire au revoir à tout le monde, au public d'ici, à Charles, à mes collègues. Et merci d'avoir été avec nous. Merci. On retrouve votre projet à Plaza Francia. Et on vous suit dans la tournée. À une autre fois, j'espère. Merci Catherine d'avoir été avec nous. À bientôt. Camélia, vous dites que c'est l'amour de votre vie, Léo Ferré. Oui, enfin, il y en a quand même quelques-uns, pour être honnête. Mais il en fait partie. Oui, il en fait vraiment partie. Pourquoi ? J'ai eu la chance d'être invitée à un hommage, en fait, à Montauban, un festival de musique, de chansons françaises. Et du coup, là, pendant l'hommage, à la fin, le directeur du festival a sorti une espèce d'archive qui n'existait que là-bas, à savoir, donc, Monsieur Ferré qui finit son concert sur Avec le temps. Et il leur dit, il continue d'arpège, il leur dit, alors voilà, là, je vais m'en aller, mais s'il vous plaît, je veux pas que vous applaudissiez. Comme ça, juste, ce que j'entends là, ça reste là. Et avant, il dit, vous êtes mes frères, vous êtes mes cousins, vous êtes mes amis, donc ne m'applaudissez pas, ça restera là. Et là, il y a juste l'image de lui qui se lève dans un silence absolu et qui sort, et on entend juste le son de ses chaussures, et c'est l'enfer. c'est sublime. Et ça a été le début du coup de cœur. Monsieur. Ouais.
Alors j'ai dit, Charles, nous allons reprendre des chansons de vous. On va parler de « Non, je n'ai rien oublié ». C'est un immense artiste qui nous fait le cadeau d'être là ce soir. Il est en tournée en ce moment, il n'arrête pas, il a très peu de temps. Mais il ne voulait pas rater l'occasion de chanter un de vos titres, Charles. Et en plus, devant vous, c'est Patrick Bruel avec « Non, je n'ai rien oublié ». Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi, tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié. Mariez-moi, allons donc, je n'en ai nulle envie, j'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Non, je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. J'ai voulu mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. L'heure court et déjà le café va fermer. Viens, viens, oui, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non, non, je n'ai rien oublié. Rien. Chaque saison était notre saison. Oui, mais nous ne redoutions ni l'automne, ni l'hiver. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence
je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un brin d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau, enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi, je n'ai rien oublié. Bruel sur la scène de l'Olympia, magnifique reprise de Non, je n'ai rien oublié, et les retrouvailles de complices. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes sur les routes, vous êtes fait un petit arrêt chez nous sur la scène de l'Olympia. Merci mille fois d'être ici avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est pas un détour que j'ai fait, c'est un vrai passage pour venir honorer le grand Charles. Vous n'avez plus rien à prouver, cher Patrick, mais quand même reprendre cette immense chanson écrite au début des années 70, c'est ça ? Oh, il y a déjà un moment. C'est une chanson qui était perdue, d'ailleurs. Elle était perdue parce que j'étais en voyage et puis on a volé ma valise. Les 12 chansons de mon album étaient dedans. Il a fallu que je retrouve tout. Elle a failli donc pas exister, ces chansons ? Ah, ben, il y en a 11 qui ont failli ne pas exister. Il y avait aussi En mon et moi, etc., etc. Et il y en a une que j'ai pas retrouvée. Une, j'ai retrouvé que le texte. J'ai demandé à Charles Level de l'écrire sur le titre seulement. Une blinde, la valise. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et alors, en fait, vous avez retrouvé en fait de tête tout. Vous avez tout réécrit juste après. Oui, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes chansons, mais enfin, c'est presque ça. À quelques mots près. En tout cas, ce que je disais, vous n'avez plus rien à prouver, cher Patrick. Alors... On a toujours à prouver. Oh non, mais chanter Non, je n'ai rien oublié devant l'immense Charles. J'imagine que c'est un moment particulier pour vous. C'est forcément très émouvant, mais cette chanson est très émouvante. Elle évoque ce que chacun de nous avons pu vivre à un moment donné, retrouver quelqu'un qu'on a aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce parcours ? Est-ce qu'on est dans le même sentiment après quelques années ? Je pense que en tout cas, moi, ça a pu m'arriver, ça peut arriver à beaucoup de gens. Cette chanson me touche énormément. Je l'ai chantée parfois sur scène. Charles m'avait fait le plaisir de venir avec moi sur la scène du Zénith pour mon anniversaire en 2000. Il était rentré sur scène au milieu de la chanson. Chose importante, lui, il la chante comme un homme beaucoup plus jeune déjà, avec plus de pression. Presque, on a l'impression qu'il dit... C'est encore possible. Hein ? Que c'est encore possible. Que c'est encore possible. Tandis que moi, c'est terminé. Et oh c'est non, ça qui est... Non, non. Dans la chanson, je parle. Même. Non, à part ça, c'est pas terminé. Non. Et c'est ça que j'aime. Merci d'avoir été avec nous. Vous repartez en tournée ? Ça continue. Enfin, pour ce qui est de la tournée française, ça s'est terminé à Lille, en apothéose. Et puis ensuite, ce sera New York, San Francisco, Los Angeles, Miami. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Patrick. Très bientôt, il y a des déjeuners qui se préparent. Je crois ça, dans notre Provence. Toujours dans les bacs, donc l'album Lequel de nous. Merci, Patrick. Merci. À bientôt. Merci. Je vous emmène ou vous m'emmenez ? Ah, je ne sais pas, les deux. Allez. Revenez. Pas à pas. Alors maintenant, on va parler d'un autre grand de la chanson française qui a commencé sa carrière ici, à l'Olympia. Vous êtes nombreux à être passés par ici. Lui, c'était pendant un concours de chant. Il s'agit d'Alain Barrière. Vous avez longtemps cru, vous, Stanislas, que Alain Barrière était DJ. Oui, en fait, il a une boîte de nuit en Bretagne, un immense château fort, c'est vrai. Et quand j'avais 17 ans, on allait danser dans sa boîte de nuit qui s'appelle le Stirwen. Et il était tout en haut, derrière des vitres, et il passait les disques. Et quand je disais que j'allais au Stirwen, la boîte d'Alain Barrière, il me disait le chanteur. Non, je dis non, le DJ. Allez, un des standards d'Alain Barrière, c'est Elle était si jolie, une chanson avec laquelle il est arrivé cinquième de l'Eurovision en 63, ce qui de nos jours est un excellent résultat, on peut le dire. J'ai demandé à Didier Barbelivien de rejoindre la scène, ainsi que Stanislas et Olympe, pour chanter Elle était si jolie. Et on embrasse Alain Barrière, on en profite. Elle était si jolie
que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait: elle est bien trop jolie, et toi je te connais. Elle aimait toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie, c'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent. Si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Magnifique trio, Stanislas Olympe et Didier Barbelivien. Elle était si jolie. Reprise d'Alain Barrière. Alors, on a vu, Charles, qu'Alain Barrière a commencé sa carrière dans les radio-crochets. Oui. Comment ça se passait à l'époque ? C'était bien le crochet parce que le premier prix, c'était 50 francs la plupart du temps. Le deuxième prix, c'était 30. Le troisième, ça devait être 10 ou 15. Et puis les autres, ma foi, ils avaient été crochetés, on n'en parlait plus. Mais crocheté, c'est-à-dire que le crochet existait vraiment ? C'est un crochet qui rattrapait l'artiste ? Moi, je n'ai pas connu ça, mais il y a eu un crochet où on allait chercher l'artiste et on le sortait de scène. Vous avez connu ça, Serge, vous ? Oui, je sais que c'était comme ça que ça se passait, mais je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu les concours, ce qui n'était pas très rigolo non plus, parce qu'il fallait savoir un peu derrière qui on passait, il fallait être un peu malin, parce que selon la chanson qu'on avait, comment on était placé, c'était très important. Le rêve passe, c'était terrible, ça cassait tous les spectacles. C'est toujours celui qui chantait le rêve passe qui gagnait. Icard, Charles Aznavour aussi pour vous, un très grand artiste. D'abord, je tenais à signifier l'aspect miraculeux de ma présence ici face à vous. Moi, je viens d'Afrique, je suis libanais d'origine, donc il a fallu plusieurs miracles avant de me retrouver face à votre personne. Et vous n'y êtes pas pour rien si aujourd'hui j'écris des chansons. Merci, monsieur. Bon, bah, trouvez-moi quelqu'un qui n'aime pas, que je sois tranquille. Ça n'existe pas, Charles. Mais si, ça existe. Faut vous faire à l'idée. Alors, ce soir, pas de censure, et c'est vous, Charles, qui allez interpréter Pigalle. Cette chanson a fait un scandale quand elle est sortie. Elle a même été interdite, Pigalle. Et puis d'ailleurs, vous saviez qu'on avait chanté Pigalle juste avant vous, Serge ? Bien sûr, j'ai eu la chance même de chanter dans un spectacle de Georges Hulmer. C'était aussi un interprète. Formidable. Tout à fait exceptionnel. L'entrée en scène d'Hulmer, je n'ai jamais vu une plus belle entrée en scène. Ah, ouais, il glissait sur la scène. Je vous propose une entrée, cher Charles Aznavour, sur la scène de l'Olympia pour chanter Pigalle, la reprendre. Petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapins, restaurant pour rupins, Pigalle. Là, c'est le chanteur des faubourgs qui fredonne les succès du jour.
Ici l'athlète en maillot qui soulève les poissons qui ont. Hôtel meublé discrètement éclairé où l'on ne fait que passer pillade. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit pigale. On y croise des visages communs et sensationnels. On y parle des langages comme à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour. C'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitans aux yeux malins, qui lisent dans les mains, pigalle. Clochards, camelots, tenanciers de bistrot, trafiquants de coco, pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens, chérie. Et prospère qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, station de métro, entouré de bistrots, pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde, il n'y a qu'un seul pigalle. Pigalle, Charles Aznavour. Un petit mot sur Georges Jumelmaire, Charles. C'était un être formidable. Alors, c'était un cavaleur comme vous n'en avez jamais vu. Pourtant, je le connais. Hein. Sa pauvre femme, elle a, je ne sais pas si elle a souffert, puisque finalement, ils ont divorcé et ils se sont remariés. Alors, en 2005, justement, Georges Jumelmaire a été remercié pour sa publicité pour Pigalle, pour le quartier de Pigalle, puisque le terre-plein central a été baptisé le terre-plein Georges Jumelmaire. On lui dit bien ça. C'est votre quartier, non, Nolwenn, Pigalle? C'est un quartier qui est vivant, qui est populaire, qui est plein d'énergie. On est protégé par la butte, on est bien. Et puis, c'est un quartier d'artistes. On est entouré d'anciens ateliers, des grands peintres. C'est un quartier qui donne de l'inspiration et qui... C'est un quartier qui habitait certainement la mémoire des murs, comme ici aussi à l'Olympia. Il y a plein de choses qui sont passées à Pigalle, partout dans Paris, bien sûr, mais à Pigalle, il y a quand même ce petit truc en plus. Vous savez qu'il y a le studio Pigalle aussi, surtout à Paris, qui est un studio sublime. Non, mais c'est vrai, c'est un studio sublime dans lequel a enregistré M. Ferré, qui est un monument historique aujourd'hui, et qui est en plus avec du. Enfin, il y a vraiment des fantômes dans cet endroit-là. Studio Pigalle, très important. Il y a une belle âme dans ce quartier. Vous savez que les Américains orthographiaient Pigalle. Pigalle. Oui, pig, allez, donc le cochon, l'allée des cochons. Oui, mais parce que c'était à la fin de la guerre qu'il y avait toutes les jolies demoiselles qui se promenaient dans la rue pour les Américains, et quelques sous, bien sûr. Et on a appelé ça Pigalle, mais ça n'est pas resté longtemps. Alors, on parle beaucoup d'écriture ce soir, et on va parler d'un autre auteur, un immense auteur qu'on adore, c'est Francis Cabrel, avec la chanson « C'est écrit », un auteur aussi doué que discret, et c'est Isabelle Boulay et Nolwenn Leroy qui vont reprendre cette magnifique chanson. Elle te fera changer la course des nuages, balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les brouillards, et toi tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits à regarder dehors. C'est écrit.
cris. Elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Tu cherches et tu cours, mais y'a pas d'amour sans histoire. Et tu rêves, qu'est-ce qu'elle est? Isabelle Boulet, C'est écrit de Francis Cabrel, auteur Francis Cabrel, compositeur Michel Françoise et Roger Secco, cher Charles. C'est pour ça que je voulais vous le faire dire. Parce que Cabrel, habituellement, écrit et ses paroles et sa musique, enfin ses poèmes et sa musique. Et là, je savais qu'il y avait un compositeur, Georges Goulet. Oui, il a fait appel à deux compositeurs, Michel Françoise et Roger Secco. Alors, Icar, je vous voyais assez touché par la chanson. Vous aimez Cabrel ? Ben, c'est la première personne qui m'a fait, enfin, c'est mon premier cahier où j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Et voilà, j'ai une image toujours dans ma tête, c'est que si la chanson française était géographique, il lancerait le Texas. Voilà, il y a Bob Dylan avec l'harmonica et tout ça. Et on dit que c'est le Dylan français. Moi, j'ai envie de dire que Dylan est le Cabrel américain. Oui. Voilà. C'est joli. Alors nous allons maintenant écouter une chanson emblématique aussi, et celle de Serge Gainsbourg. C'est une chanson inspirée par Juliette Gréco et que tout le monde a fredonné au moins une fois dans sa vie. C'est la Javanaise. Alors ce soir, c'est un duo inédit qui s'y attaque. C'est Bernard Lavillier et Julien Doré qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour Hier Encore. J'avoue, j'en ai bavé, bavé. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la Javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la Javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
passe avril, on vint me vouer à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaisez, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Bernard Lavilliers et Julien Doré, la javanaise. Alors Julien, vous êtes en tournée dans toute la France et vous serez à l'Olympia, ici même, les 15, 16 et 17 novembre prochains. Et votre album Love cartonne, 180 000 exemplaires vendus, est toujours disponible. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Gainsbourg, Zaz, bien sûr, vous connaissez. J'adore, il y a une chanson qui s'appelle Ces petits riens qui a été reprise déjà. Ah oui, j'adore aussi. Plein, dont Stacy Kent et même des artistes africains. Une artiste africaine, j'adore cette chanson. Elle est magnifique dans la mélodie, dans l'écriture. Alors, on évoquait artistes attachés à Paris et à la gouaille parisienne. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui préfèrent s'éloigner et qui préfèrent la montagne, justement. Une chanson que vous allez reprendre pour nous ce soir, Didier Berlivien. Vous allez pouvoir nous parler quelques instants de Jean Ferrat avant de la chanter. Jean Ferrat, ça a été dans ma jeunesse, au même titre que Charles, qui est là ce soir, il le sait, ou Beco, Nougaro, Brassens, Ferré, ça a été, j'allais dire, nos papas d'écriture. Et puis, les gens de ma génération, on a eu la chance de naître avec tous ces brillants auteurs qui nous entouraient, des auteurs français, en même temps que l'influence de la musique anglo-saxonne. Et moi, enfin, comme peut-être Yves, comme Goldman, comme Cabrel, on est forcément un mélange de tout ça. Vous confirmez, Yves ? Ferrat fait partie de ma culture musicale. Et justement, à l'occasion des anniversaires, des événements, on réécoute les chansons. Et mon petit-fils, qui avait 14 ans à ce moment-là, nous redemandait les chansons, et encore, et encore. Et non, on a tout réécouté. Je suis émerveillé devant le répertoire de Jean Ferrat. Eh bien, répertoire justement chanté ce soir par Didier Berlivien. C'est à vous. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant,
que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Merci beaucoup. Didier Barbelivien, La Montagne de Jean Ferrat, accompagné par le très talentueux David Berland et ses musiciens. Merci à vous tous, c'est superbe. Merci beaucoup Didier. Alors, Nolwenn, vous avez bien connu en fait Jean Ferrat puisqu'il vous a écrit. Je ne l'ai pas bien connu. Mais en revanche, il vous a écrit connaître. Juste. Non, il m'a, effectivement, il m'avait fait passer un petit mot il y a 11 ans, à mes débuts, un petit mot en disant qu'il avait... qui m'avait d'ailleurs fait sourire parce qu'il me disait qu'il avait regardé la télé avec sa petite fille, il me semble, à l'époque, et qu'il avait voté justement à l'époque. Pour moi, je m'imaginais Jean Ferrat dans sa montagne, qui était quelqu'un justement tellement en dehors du système et tellement... Et déjà, je me disais, j'étais même pas sûre qu'il ait la télé chez lui. C'était, j'imaginais pas regarder la télé comme ça, surtout ce genre de programme. Il me disait, ben si, je vous ai suivi, j'aime beaucoup votre voix, bon courage pour votre carrière. Il a voté ou pas ? Et il m'a dit, si, il m'avait écrit, j'ai voté. Alors, je revenais pas. Incroyable. Et ça m'a beaucoup touchée et voilà, on aime Jean Ferrat, il nous manque. Alors j'ai eu plein de superbes surprises dans cette émission lorsque je l'ai préparée. J'ai appris que Les mots bleus, chantés par Christophe, avaient été écrits par Jean-Michel Jarre. Oui. On peut passer facilement d'un métier à l'autre, Charles ? Auteur, compositeur ? Oh, bah dans notre métier, on doit pouvoir, oui, quand même. C'est pas un métier à un autre, c'est une discipline à l'autre. Alors Camélia Jordana, vous interprétez justement Les mots bleus de Christophe ce soir. Alain Bachou, qu'on a fait une reprise sublime aussi, c'était il y a une vingtaine d'années. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Un jour, on avait fait une émission ici d'ailleurs, une émission télé sur la chanson française. Et Christophe était là et je devais chanter Les mots bleus. Il a été particulièrement ému et il m'a invité à chanter avec lui. J'avais proposé plein de chansons. Et puis c'est celle-là qui est sortie du lot de façon assez naturelle. On est très heureux de lui rendre hommage ce soir. Oui. C'est à vous, Camélia Jordana, avec Les mots bleus, reprise de Christophe. Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square des fleurs poétiques. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. J'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodée. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une
plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens pas, le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent. Pas besoin du protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu les styles de nos retrouvailles. De nos retrouvailles, je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je lui Camélia Giordana, Les Mots Bleus, votre nouvel album Dans la peau vient de sortir. On vous souhaite énormément de succès. Alors Salvatore, vous avez invité Christophe chez vous et vous en gardez un très bon souvenir. Oui, j'ai invité Christophe il y a 2 étés après que nous ayons fait un duo et j'ai découvert un personnage d'une hypersensibilité extraordinaire, mais aussi d'une curiosité qui m'a vraiment surpris, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout, aussi à la gastronomie, et il a l'habitude de photographier les plats pour les reproduire. Et ah, ensuite, drôle. Il est resté plusieurs jours chez moi, et à un moment donné, ma femme lui a fait une lessive. Et alors, il part, 3 jours après, il me dit, tiens, quelle lessive ta femme emploie ? Par SMS, je croyais que c'était un gag, je n'ai pas répondu. La semaine d'après, il me renvoie un nouvel SMS. Il insiste, il veut savoir. Et finalement, Nicole lui a transmis le nom de sa lessive. Et il était heureux. Didier, c'est vrai que c'était un être tout à fait singulier, Christophe. Vous l'avez rencontré car vous avez écrit pour lui, hein, Petite fille du soleil. Moi, j'ai écrit, en 75. J'étais très impatient de le rencontrer parce que j'achetais ses disques quand j'étais petit. J'avais acheté Les Marionnettes, j'avais acheté Aline. Et l'année où j'ai donc écrit cette chanson, son producteur Francis Dreyfus m'avait donné rendez-vous au studio pour entendre la chanson. Effectivement, j'arrive au studio Ferber, je m'assois, j'entends dans les grands haut-parleurs « Petite fille du soleil ». Je regardais de ma banquette où pouvait être le Christophe derrière la vitre. Pas de Christophe. Je me dis « Je dois entendre la bande de mixer, le playback ». Et tout d'un coup, je vois sortir de sous la console Christophe avec sa lampe électrique, le texte et son micro. Je me dis, mais qui c'est ce dingue ? Il s'était réfugié, en fait. Il enregistre sous la console d'enregistrement, pour à la lampe électrique, avec ses boîtes de réverb, avec son micro. Merci. Allez, on parlait de Juliette Gréco qui a inspiré la javanaise à Gainsbourg tout à l'heure. Elle savait aussi s'inspirer des autres, spécialement le jour où elle a décidé de reprendre une chanson de Ferré, c'est Joli Môme. C'est une des rares chansons joyeuses de Ferré et cette chanson est devenue eh bien, un des piliers de son répertoire. On écoute tout de suite Joli Môme, interprété par un trio de choc, Adamo, Benabar et Ika. T'es toute nue sous ton pull, toute la rue est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp,
celle des gels, des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. Et qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i des chagrins de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on ose, qu'on oublie, joli môme. Une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre con qui mourut et qui pleure. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. Adamo et Icar, joli môme, belle reprise et un salut aux musiciens qui sont avec nous ce soir. Alors Icar, votre troisième album intitulé La Summum, un album dont vous êtes l'auteur, le compositeur et l'interprète, est toujours dans les bacs et vous serez en tournée à l'automne dans toute la France et sur la scène du Trianon à Paris le 15 novembre prochain. Joli môme, ça vous parle Icar? C'est une chanson que vous avez choisi d'interpréter particulièrement? À la relecture, déjà, enfin, lorsqu'on l'écoute comme ça, elle a l'air toute gentille, joli môme, on imagine quelqu'un de jeune, enfin môme. Mais voilà, je pense que Léo Ferré s'est amusé à user de notre très belle langue. Et voilà, je vous invite tous à réécouter, écouter, réécouter pour comprendre les travers et les transversales de ce titre. Salvatore? Eh bien, nous devons avouer, Bruno et moi, je peux le dire, hein, que nous n'avions pas vraiment compris le texte avant. Ah oui. Mais oui, c'est vrai. Et alors? C'est tout à l'heure, Salvatore qui m'a dit, t'as vu le texte, c'est ça? J'ai dit oui. Puis en fait, j'avais un peu, et j'ai relu le texte, et c'est vrai que le texte est quasiment interdit au moins de 18 ans, quand même, quand on y regarde de près. Ouais. Bah, je vous invite à lire ce soir. C'est magnifiquement écrit, aujourd'hui, magnifiquement. Aujourd'hui, on ne pourrait plus chanter ça. C'est-à-dire que j'écoutais justement le texte, et aujourd'hui, on aurait toutes les ligues féministes qui nous attaqueraient, parce que ce qu'il dit là-dedans, c'est absolument insensé. C'est complètement... Bon, en même temps, c'est merveilleux, c'est écrit d'une façon extraordinaire, mais c'était une époque où il y avait encore une certaine liberté, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pensable. Exactement. Alors, on continue avec l'univers des femmes, et Elisa Angel, on va vous retrouver tout de suite sur la scène de l'Olympia pour interpréter Froufrou, un véritable standard des années 30, une période que vous aimez particulièrement, et on va s'en parler juste après. Je crois dans les liens du mariage, mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave et je me dis en la voyant. Par son jupon la femme,
jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain, il voit la vie en rose. Il s'attriste et devient fou. Me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette, mais moi je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser son cotillon, vous ensorcelle. Son froufrou, c'est comme un bruit d'air qui passe et vient vous caresser. Votre album Froufrou, qui revisite les chansons des années 30, 40 et 50, est toujours disponible. Votre album, Lisa Angel, c'est un hommage à la femme de ces années-là, une femme qui vous plaît, une femme... Moi, je suis bercée depuis ma plus tendre enfance par la chanson française. J'aime les chansons à texte, j'aime les chanteurs et chanteuses réalistes, et je porte cet album très haut, parce que je l'aime. Et parce que je trouve que les arrangements sont magnifiques. Et je remercie Régis Ceccarelli aussi à ce sujet. Alors, voilà. À l'origine, Charles, c'est Berthe Silva qui interprétait Froufrou, une chanteuse réaliste, tout comme Fréhel, dont on a parlé au tout début de l'émission. C'était quoi le musical de l'époque, Charles ? Le long des Champs-Élysées, il y avait des bistrots, il y en avait plusieurs comme ça, et l'on présentait les attractions. Tous les grands noms de l'époque de Lautrec, c'est cette époque-là. Moi, j'ai encore beaucoup d'affiches de ces gens-là, c'est formidable. Allez, on va faire un petit bond de 30 ans en avant. Nous sommes dans les années 60, c'est la guerre froide, le monde est coupé en deux. Et une chanson vient innocemment ou pas réchauffer les relations Est-Ouest. Cette chanson, c'est Nathalie. Gilbert Bécaud l'interprète et en a écrit la musique. Pierre Delanoë, lui, a signé les paroles. C'est une sublime chanson d'amour qui a bien failli d'ailleurs ne pas voir le jour. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est Yves Duteil qui l'interprète pour nous ce soir. Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Boucherie boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait les cheveux blancs, mon guide,
Nathalie, Nathalie, dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, on a dansé. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France. Et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie, Nathalie. Pascal Duchesne, magnifique reprise de Nathalie par Yves Duteil. Merci, merci. Nathalie de Gilbert Bécaud, complètement d'actualité. Ça marche, tout le monde reprend. Oui, oui, bon, c'est une très très bonne chanson, très entraînante, et on a vraiment envie de la chanter, de belles mélodies, beau texte. Que voulez-vous de plus? Alors Yves, merci, vous êtes actuellement en tournée en toute la France, mais aussi au Québec, avec votre album Flagrant Délice, un album qu'on peut retrouver dans les bacs, et puis également deux livres, votre autobiographie Profondeur de chant et un recueil de vos chroniques, La petite musique du silence. Vous êtes partout. Ben, vous savez, le silence, c'est d'abord l'écrin de la création. Je pense que tous les gens qui écrivent, et c'est pas Charles qui me démentira, commence par faire silence un peu autour d'eux pour arriver à écouter cette petite voix, ce oui. petit murmure intérieur. Quand les enfants ont grandi. Ouais, c'est vrai. Alors, pendant que Carmen Maria Vega et Élodie Frégé vont s'installer sur la scène, je vais juste poursuivre et continuer à parler deux secondes de Bécaud. Benabar, Bécaud, puisque vous l'avez repris. J'ai pas eu la chance malheureusement de le voir sur scène, mais j'ai découvert son répertoire et en effet, la bête de scène qu'il était, un modèle pour plein de gens de sa génération. Malheureusement, moi, je l'ai découvert que dans les images. Ce que bon, on l'a vu ce soir, hein, complètement intemporel, Bécaud. Exactement, j'ai vu. Interprété par Monsieur Duteil. Merci. Comme quoi, la bête de scène, il n'y a pas que Bécaud. Parce que... Et j'ai vu Bécaud une fois sur scène avec une jambe dans le plâtre. Alors, il fallait voir ça parce qu'il avait pris une chaise de bureau à roulettes. Il avait fait tout son spectacle avec le pied comme ça en l'air, avec la chaise à roulettes. Et il avait aussi scié
le pied de son piano, le piano pour que le piano soit en pente comme ça et faire face pour vraiment qu'il domine en fait pour qu'il domine en fait le public oui, pour être pour le face voir, au public surtout parce qu'il avait des problèmes de vertèbres à un moment donné, alors il a mis le piano de face pour plus avoir à tourner tout le temps le cou pour voir le public. Et c'est, je dirais, le contraire de Charles Becquot. C'est exactement, ils ont travaillé ensemble au début de leur carrière, mais c'est exactement le contraire. Il fallait toujours qu'ils rajoutent ce que dans notre métier on dit des pattes au serpent, c'est-à-dire que tout était juste, tout était juste, il avait des trouvailles extraordinaires, mais là où il en aurait fallu deux, il en mettait cinq. Il pouvait pas, il avait horreur du vide. Il fallait qu'il remplisse l'espace tout le temps. Et je dirais que ces deux-là, Gilbert et lui, ce sont deux faces du musical complètement différentes. Allez, c'est un duo 100% féminin qui va être à l'œuvre maintenant. Carmen Maria Vega et Elodie Frégé. Et je peux vous dire qu'elles ont une petite pression sur les épaules puisqu'elles vont marcher sur les traces d'une reine du musical. C'est Miss Tinguette, mais également d'Edith Piaf. Excusez-moi du peu. Alors pour ce soir, elles interprètent Mon homme. Ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous, et je suis à bout, mais malgré tout que voulez-vous. Je l'ai tellement dans la peau que j'en deviens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. J'allais tellement dans la peau. Il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi, je sens qu'il me rendrait infâme. Je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Que pour souffrir par les hommes. Dans les balles j'ai couru afin d'oublier, j'ai bu, rien à faire. J'ai pas pu. Quand il me dit viens, je suis comme un chien. Y'a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau que j'en suis dingo. Et que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots. Mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne. Oh, la pierre est dans la peau. Et Elodie Frégé, Mon homme, reprise de Miss Tinguette, Miss Tinguette, reine des années folles, qui raconte la création du premier show musical de l'histoire. Cette chanson qui a aspiré pas une Broadway. Chanson écrite pour être ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les auteurs avaient écrit ça comme une parodie qu'ils voulaient présenter à Miss Tinguette. Et elle a été prise au premier degré. Elle va rire comme une folle, va bien s'amuser. Et en fait, non, elle a été extrêmement sérieuse. Elle a dit,
Ah, elle est très bien, je vais la chanter. Ils ont dit, vous plaisantez. Je plaisante absolument. Je vous dis, je vais la chanter, je vais la chanter. C'est un succès et elle a fait un succès mondial. Alors, vous me disiez dans l'émission, et ça, je n'ai pas oublié, que vous aimez beaucoup Chantal Latsou et que vous avez été une première fois, une deuxième fois et même une troisième fois la voir. Ah oui, 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 à chaque fois. Qu'est-ce qui vous aime, chez Chantal? Qu'est-ce que vous aimez, pardon, Chantal? Elle m'enchante quand je la vois, quand je joue la comédie. Elle a une telle liberté. Elle a un ton. Elle me rappelle les années 30 où il y avait des actrices comme ça au cinéma. Il y en avait une particulièrement que j'aimais beaucoup, qui n'a rien à voir avec elle, mais qui me la rappelle de loin, comme ça. C'était Suzanne Dehely. Vous avez connu? Non. Ah, elle avait quelque chose que vous avez. C'est vrai? Ah oui, oui, formidable. Tu l'as connue? Non, mais moi, j'ai ça en commun avec toi, c'est que j'ai vu ces spectacles à chaque fois à répétition. Oui. Et l'expression « mourir de rire ». Oui, oui, c'est vrai. Ça a bien failli m'arriver un soir à Ramatuelle, mais il y avait les pompiers. C'est l'indomptable, la sublimissime, la lionne du faubourg. Chantal Latsou. La femme qu'on a toujours sous le capot, mon garçon. Je lui ai demandé si elle chantait, parce que je pense que... Mais moi, au début, je croyais qu'elle prenait de la drogue. Moi, j'adorerais chanter, mais moi... Moi, je croyais qu'elle était droguée au début, quand j'ai connu. Oui. C'est nous qui sommes drogués d'elle. C'est ça. Nous, on est addicts, tu comprends? Alors, très heureuse d'être parmi tous vos amis chanteurs, parce que je suis très impressionnée par le fait de chanter, de composer, d'écrire, de communier. C'est une communion avec le public. Dès que vous chantez, les gens sont très heureux. C'est extraordinaire. Je suis très émue. Bon, j'y vais. Oui, allez-y, Chantal, parce que vous tenez, Charles, à ce que systématiquement... Vous avez des jolies chaussettes. Comment? Vous avez des jolies chaussettes. Ah, oui, et alors, je vais vous dire, on a des choses en commun. Vous aimez parce que j'ai un collant de la même couleur. J'ai failli le mettre ce soir. C'est dingue, non? Eh ben, je me serais déshabillé pour être mieux. Je disais, Charles, que vous tenez absolument à ce qu'il y ait des comédiens aussi qui viennent dans Hier Encore pour pouvoir dire des textes importants. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit des monologues. Et j'ai demandé à mes joyeux camarades, à Barbe-Olivier et à Serge, d'écrire des monologues, de pouvoir avoir à chaque fois des comédiens qui viennent et qui disent des choses sur la scène comme ça se faisait dans le temps. Oui. Alors cette fois-ci, c'est vous qui avez écrit ces textes. Je ne peux pas faire autrement puisqu'il n'y a que moi qui en ai écrit. Allez, on vous écoute. Alors, un très beau texte de Charles Aznavour, dit par une très bonne comédienne. Alors, attention. Rêver, chercher, apprendre, n'avoir que l'écriture, et pour maître et pour Dieu. Tendre à la perfection, à s'en crever les yeux, choquer l'ordre établi, pour imposer ses vues, pour fendre. Choisir, saisir, comprendre, remettre son travail 100 fois sur le métier, salir la toile vierge et pour mieux la souiller, faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus, surprendre, traverser les brouillards de l'imagination, déguiser le réel de lambeaux d'abstraction, désenchaîner le trait par mille variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues. Prendre le contre-pied de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à corps et corps, veux-tu écrire de peur, de sueur, d'angoisse et de doute planté comme un poignard au cœur, rester cloîtré, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais refait bientôt surface, user de sa morale en jouant sur les mœurs et les idées du temps, imposer sa vision des choses et des gens. Qui être pourtant maudit, aller jusqu'au scandale, capter de son sujet la moindre variation, explorer sans relâche, et la forme, et le fond, et puis l'œuvre achevée, tout remettre en question, allez, déchirer l'inquiétude, souffrir, maudit, réduire la race à volonté, et brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie, et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme on parle et on crie. Chantal Latsou dit le texte de Charles Aznavour, écrire. Chantal Latsou, bien dit, non? Merci. C'était bien? C'était très bien. Oh, on s'embrasse, vous allez. Oh là là, mon idole, tu te rends compte, c'est dingue. Merci Charles de m'avoir permis de dire ce très beau texte. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Ça vous touche particulièrement? Ça ferait une bonne chanson, Charles.
Au moins, on sort de la chanson d'une manière ou d'une autre pour y revenir plus tard. Alors, ma chère Chantal, on vous retrouve au théâtre. Vous jouez Nelson, une pièce de Jean-Robert Charrier, au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. On ira vous voir, chère Chantal. Et vous êtes, je crois, accompagnée d'Armel, de Thierry Samatier et d'Éric Logérias, c'est ça ? Voilà. Merci Charles, l'émission touche à sa fin. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Un petit mot pour conclure cette belle émission. Nous avons pu rendre hommage à tous les artistes que nous aimons, ainsi qu'aux auteurs et aux compositeurs. Oui, on a encore du travail pour changer aussi certaines mauvaises habitudes de la télévision. On a beaucoup de travail, mais je crois qu'on va réussir. En tout cas, en ce moment, ça marche très très bien. Je vais vous dire une chose très amusante. Je reçois des courriers des maisons de retraite qui enfin réentendent les chansons qu'ils ont aimées dans leur jeunesse. Ils entendent donc les chansons qu'ils aiment différemment et ils connaissent des jeunes qu'ils ne connaîtraient jamais s'il n'y avait pas une émission comme ça. Eh bien, ça prouve qu'on a raison de faire exister cette émission. Merci à nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Anne Marcassus, à Pascal Duchesne et à leurs équipes. Merci à vous tous pour cette superbe émission. Charles, merci de votre générosité. Et merci à David Berland et aux musiciens formidables. Bonne soirée, à très bientôt. Ciao.